Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Halls of Torment. Et dans le dernier épisode, on avait tenté un petit run avec ce nouveau personnage, mais c'était pas fou, hein, on n'avait pas réussi à faire grand chose. J'ai joué un petit peu sans vous, j'ai fait des runs avec l'archer, j'ai un petit peu amélioré l'archer. Il me reste plus grand chose comme défi à faire avec lui. J'ai fait un avec le prêtre aussi, voilà, ce qui m'a permis enfin de faire... il était où ? Je ne sais plus, mais celui où il fallait avoir métabolisme 4, je l'ai enfin eu. Et la survie sans avoir plus de vie max, je l'ai aussi fait. Ça m'a permis d'acheter quelques objets en stock, notamment pour le run feu, mais il m'en reste encore, vous voyez, quelques-uns à acheter. Et là, on va se tenter, du coup, je tenterai bien quelque chose avec, du coup, de l'invocation. On va. Non, je ne vais pas changer celui-là. Mets-moi ça. Et ça. Là, on va se mettre ça. Mais pas sûr de mon coup. Au niveau des gants, bah, de l'attaque speed. Et au niveau des objets de tête, on va se mettre ici. Plus de vie. On va partir comme ça, et je pense qu'on va tenter la première map, ou la deuxième. Attendez, dans quoi il me manque des trucs à faire? Alors dans la première, bon, il y a toujours l'histoire de ce Lightning qu'on n'a pas réussi à faire, l'Arcade Splitter, les Phantom Needle, mais tout ça je pense pas que ça soit lié à la carte. Il faut tuer 50 000 Hellhound, ah bah tiens ça pourrait être fait, le Lightning toujours. Et 25 000 ennemis en un seul run, mais ça, malheureusement, on n'a toujours pas réussi à le faire. Et on débloquerait le starting ability des Haunted Cavernes. Et dans le deuxième, il faut tuer 50 000 imps, tuer 15 000 ennemis en une seule visite, ou tuer le Lord of Regrets qu'on n'a toujours pas réussi à tuer. Non, je pense qu'on va partir sur une run soft, une run tranquille, voilà, pour essayer de se faire un build avec lui, parce qu'on ne sait pas trop comment le jouer. J'allais dire, c'est quoi ce squelette? C'est le mien. Oui, oui, donc il est parti en mode YOLO, le squelette. Donc qu'est-ce qu'on prend? Duration, si, on avait vu Duration, c'est bien. Ah oui, mais j'allais dire, je vais faire échappe pour aller voir ma technique. Ben non, parce qu'on sait pas. On sait pas la technique principale, les stats qui la touchent. Range, je sais pas si ça servira, mais bon... On va aller chercher la technique bien sûr en bas. Hein. Ah bah on a trouvé ça. Bah écoutez. Est-ce qu'on le ferait pas avant d'aller chercher la technique? Sauf que là on est à un moment du jeu où il n'y a pas beaucoup d'ennemis en fait. Ça va être plutôt long. Pour moi ça me permet de faire de l'XP. Oui, attaque speed, oui. On va rester là, hein. Mais mes squelettes, ils sont en train de tout tuer. Plus de dommages, oui, ça j'approuve. Est-ce que mes squelettes sont également basés sur mes dommages? Bon, j'espère. La durée ou les dégâts? Ah bah la durée. On va essayer d'avoir plein de durée sur ces petits trucs là. On va voir. Hein, ah oui, donc dans les squelettes je peux également invoquer des mages en fait. Oui, on en est là. Il est craqué cet anneau. Attack speed, oui. Oui, on t'avait peut-être mal jugé au premier abord. C'est quoi, invocateur? Je sais plus, c'était quoi le nom de la classe. Oui, mais là, c'est les slimes avant qu'ils arrivent dans les trucs, là. On en a pour une demi-heure.
Moins 10% de vie, plus 30% de dommages, la main waypoint. Oui. Voyons fou. Ah, ça y est, ça c'est fini. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Bravo. Durée, oui. Bon, ça se goupille pas si mal. Et une première technique. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend comme technique sur lui ? Est-ce qu'on prend des techniques où il faut qu'on fasse des succès ou est-ce qu'on prend des techniques qui ont un intérêt ? Mais un intérêt, eh bien, je sais pas. Donc on va prendre les Phantom Needle. Parce qu'on doit faire un truc avec. Bouteille, ça ne nous intéresse pas forcément. On va chercher la technique et puis on remontera sur les traces de sang. Il faudra absolument que j'aille chercher la main parce que là j'ai laissé plein d'XP partout. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme technique ? Ben, en vrai le golem. Le golem qu'on a débloqué là, pour voir si c'est intéressant ou pas. Aïe. Moins une seconde de duration, mais plus 20 de base damage sur la main weapon. Oui, allez. Il dure un tout petit peu moins longtemps, mais c'est pas grave parce qu'on avait augmenté la durée. Donc je pense qu'on n'a pas trop perdu par rapport à la base du sort, je veux dire. D'augmenter les dégâts de base, ça c'est intéressant. Il était vachement loin le truc là. Sachant qu'après il faut retourner vers le puits. Summon Golem. Alors summon un golem d'argile qui va combattre à vos côtés. Dommage à l'ennemi, rolling damage, rolling duration, d'accord. On va avoir un golem. Il est censé combattre pour nous. Qui a la tremblote. Hein. Voilà, il s'est mis à rouler. Ah oui, mais c'est pas tout le temps. Ça m'a pas l'air fou, de base. Plus 20% de roll duration. Sachant que là, il va falloir remonter. Oui, non, il fait super mal. Il va falloir remonter sur le puits pour essayer de recouper sur les traces de sang pour aller chercher le deuxième médaillon. Bon, à base de crit, hein. J'imagine que mes techniques peuvent crit. Alors, les needles. Je crois qu'on doit faire un certain nombre de dégâts avec. Là je cracherai pas sur une main pour récupérer tout l'XP que j'ai laissé. Il me fait peur le mage à chaque fois qu'il apparaît. Bon, il faudrait beaucoup d'attack speed pour me les sortir bien plus vite les petites bestioles qui volent là. Les needles attack speed, oui c'était pas ce que je voulais mais bon je prends. Bon, il y a bien un moment, on va recouper les traces de sang. C'est un peu ce qu'on était parti faire. Le puits est là. Ça veut dire que je suis passé totalement à côté. Ah, le boss.
Ouais, écoute, tu tombes bien si le puits est là. Oui, et puis le puits est carrément là, oui. Donc on... Ah, c'est bon, on les a retrouvés. Un tir devant, s'il te plaît, merci. Bah, des bases de crit, oui. Ok, on manque de dégâts. Oui, non, mais réussir à faire passer le golem sur le boss, un challenge là. Ok, pour l'instant, c'est pas. Voilà, alors rien du tout d'intéressant. Plus de dommages. Allez, donne-moi un objet intéressant à remonter. On est juste à côté. Ça, j'ai pas. Ok, on laisse du goût, c'est goudron, je crois. Les ennemis vont être ralentis. Ok, c'est pas exceptionnel, mais on va quand même leur monter. À défaut de mieux. Moins 10 de base damage, mais plus une seconde de duration. Ouais. Wow. Je vais prendre en fait parce qu'il n'y avait rien d'autre d'intéressant, mais pas non plus. Allez, remonte-moi ça. Oh, j'aurais pu remonter la bouteille, c'est vrai. Bon, tant pis. Et on va essayer d'aller chercher la deuxième amulette. En ne sachant pas si j'arriverai jusqu'au boss en fait avec lui. Donc c'est une grosse question. Est-ce qu'avec lui j'arriverai à avoir un build suffisamment intéressant pour arriver jusqu'au boss? De toute façon, faut qu'on le joue. On a des succès à faire sur le. J'ai pas du tout regardé les succès qu'il y avait à faire. On trouve cette amulette. Et après on se concentrera sur essayer de gagner un peu d'XP. Bah les Phantom Needle, hein, pour l'instant c'est peut-être il me semble le plus intéressant en termes d'armement sur ce qu'on a pris. Ok, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Allez, dis-moi que t'es pas loin. Après, faut absolument qu'on aille à la main chercher tout l'XP qu'on a laissé. Ok, c'est là. C'est une bonne idée de rester statique. On va le voir. Pas avec les mages, bien sûr. Je prends tellement de dégâts. Oui, plus de durée. Ah non, mais t'es trop grand. T'es trop grand par rapport au cercle, le petit golem. Ok, ça c'est fait. Plus d'attaque speed et plus de roll cooldown. D'accord. Oui, ça peut être intéressant, le roll cooldown. Tu fais ta roulette plus souvent, je vais approuver cette idée. Aïe. Une potion en bas. Attaque speed ou damage, attaque speed. Je manque pas trop de damage, mais mes attaques partent pas si souvent que ça. Ah, les Phantom Needle m'ont l'air pas mal. Je les vois partir très souvent. Ça fait assez mal. C'est vrai que je les joue pas si souvent, peut-être une erreur de ma part. On va venir
attraper la main et on sera ahí tranquille. Après on pourra juste se concentrer sur l'XP, il y a le boss, qu'est-ce que je fais? Est-ce que la main est loin? Je ne sais pas. On va essayer de se faire le boss d'abord. Et là je m'en éloigne. Oh, je sais pas comment je suis passé entre les slimes. Allez, fais sauter le bouclier s'il te plaît. Ok, la main doit plus être si loin. Jamais je vais réussir à retourner au milieu. Non, on le tue pas maintenant. Ah zut, bon, prends la main. Hop, voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on se prend? Les Lightning Strike, j'ai envie de les prendre pour essayer de faire le succès, mais là c'est trop tard, je pense qu'on les a eu beaucoup trop tard. Les orbes pourraient coller avec le golem qui fait tournicotis là autour. Je pense qu'on va prendre les orbes. Multi-attaque. Pas sûr que la multi-attaque c'était la meilleure idée. On prend un peu de taille. Plus de dommages, mais ils vont moins loin. Non, on va plutôt prendre plus de taille. Piercing, pas intéressant. Moins 10% de vie, plus 30% de dommages sur la main weapon, oui. Plus 20% de damage sur la main weapon, oui. Plus 1% de damage sur les needles, oui. Ah, 15%, plus 15% de projectiles sur le main weapon. Ça veut dire que des fois on peut en tirer deux. Ok. Oui, bon, allez, on va rétrécir un peu les orbes. Attack speed et movement speed des invocations, oui. Ça, oui, clairement. Attack speed et roll cooldown sur le golem, oui. Moins 10% de vie, plus 30% de dommages sur la main weapon. Plus 30% de roll duration. On n'a pas beaucoup de vie max, hein. Peut-être erreur de ma part là. Ok, on en avait laissé de l'XP. Plus 1 piercing ability, plus 20% de range, oui. Oui, clairement, oui. Pour les needles, il va falloir que je joue un peu plus ça. Hein. Bon. Ça dit quoi? Ça dit que j'ai pas beaucoup de PV max. Mais en dehors de ça, ça dit que ça a l'air pas si mal là. Ça a l'air de bien tuer. Plus 8% d'attack speed, oui. Clairement, ça peut m'être très utile l'attack speed. Voilà, il commence à y en avoir là, des petites bébêtes qui volent. C'était le but. Ah. Je vais prendre piercing. Je pense que les needles seront plus intéressantes que les orbes dans ce run. C'est normal, c'est tout l'XP qui traîne. Piercing, encore non, on va prendre dommage de tout. De dommages sur toutes les techniques, ça reste plus intéressant. Bon, c'est potable là ce qu'on a fait. Ah bah oui, on améliore les orbes du coup, à défaut de mieux.
Alors, est-ce qu'on peut tenter le 25 000 ennemis? J'ai des doutes. J'ai des doutes, mais qui sait, les bestioles vertes peuvent avoir leur intérêt hein, dans les gros packs. J'hésite, non, je vais quand même prendre 50 de vie. J'avais un peu trop baissé ma vie en fait. Et il suffit que je prenne quelques dégâts et c'est très dangereux. Il y a une main là. Parfait. C'est un piercing, oui. Alors on va se faire la liche. Non, c'est pas la liche. Et je suis en mode visée auto là, je vise pas du tout le boss, pourtant ça marche plutôt bien. Alors un objet. Ah, une amulette que j'ai pas. Chaque fois 100 fois votre maximum de vie. Chaque fois que vous faites 100 fois votre maximum de vie en dommage, vous régénérez un point de vie. Attendez. 100 fois votre maximum de vie. Ouais, un point de vie pour 100 fois notre maximum de vie. Oui, c'est bien si on n'a pas beaucoup de maximum de vie. Je pense que c'est mieux d'augmenter mes dommages. Plus rentable. Plus 50% piercing sur la main waypoint, plus 1% duration. Piercing, pourquoi? Parce qu'elle a une limite de piercing. Ah, du coup, prendre piercing, c'est intéressant sur la main waypoint. Dans ce cas-là. Oh non, piercing. Hein. Main weapon, duration, attack speed, damage. Oh oui, 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 oui. C'est dommage qu'ils mettent longtemps à tourner les petites bestiaux là. millions de dégâts d'invocation en un seul run. Moins 20% de vie encore et 0,6 projectiles sur la main weapon. Mais oui, bien sûr. On va finir avec 0 PEV, un coup me tuera. Je vais peut-être sacrifier le run juste pour le plaisir d'avoir des bestioles de partout. Oui, mais là ça en tire, là. Voilà, là on est d'accord. Aïe, aïe, aïe. Du coup... Plus d'attaque speed. J'aurais peut-être intérêt à échanger les amulettes. Et à prendre l'amulette qui me permet de régénérer des points de vie si jamais... en fonction de mes dégâts. Parce que là, il faudrait pas trop que je perde de points de vie. Ah, on va pas se le cacher. Là, ça va être tendu si j'en perds. Après, je me rends pas compte de si c'est utile ou pas, en fait. Je sais pas tous les combien de temps je fais les dégâts... sont demandés. Move speed. Oh là, j'ai rien là. Range. Range. Allez, range. Pour les needles. Ah, il va y avoir le boss mage. Oh, le boss mage, ça risque d'être compliqué. J'ai tellement pas de points de vie. Prendre hop, la taille. Aïe, j'ai pris des tirs. Je vais aller prendre l'XP qui est par là, s'il vous plaît.
plus de duration, oui. C'est très bien. Au moins c'est joli, tous ces petits trucs verts qui traînent à l'écran. À défaut de mieux. Base crit chance pour tout. Allez, plutôt le 48. Est-ce que je peux me le faire avant que le boss mage arrive? Et on va prendre range, bien sûr. Ouais, j'ai pas l'impression que l'amulette ça soit super efficace, donc on va prendre celle qui fait plus de dégâts. Par contre, j'ai l'air d'avoir les dégâts. Là, ça tombe très vite. Alors j'ai les dégâts sur du packing, peut-être pas trop les dégâts mono-cible. Ah, le mage. Il est passé où, ouais. Roll duration, oui. Ouais, en mono-cible, c'est plus compliqué. Hein. Et ben, on peut améliorer les Phantom Needle. Ah, intéressant. Ça peut faire des petits dégâts de zone, si j'ai tout compris, à distance max. Donc on a eu le boss. Là, il va rester la liche. Plus de dommages sur toutes mes techniques. Oh, il faudrait une main là pour ramasser tout cet XP par terre. Range, oui. Millions de dommages au total. Qu'est-ce qu'on se prend? Du crit damage, allez, je bourre les dégâts. Ça y est, on a fait les 50 000 Hellhound. Donc sur le chapitre 1, on va être bon, on va avoir fait la plupart des trucs. Ah, sur le, oui, sur le monde 1. Mais y'a plus personne. Ah, les slimes. Attack speed. Je préfère l'attack speed à la duration. J'aime pas les slimes. Les slimes, ça met du temps à mourir. 5 millions de dommages d'invocation en un seul run. Oh, on en est là, j'ai fait tant de dégâts que ça avec mes invoques. Mais en fait, j'ai peut-être sous-estimé la puissance du personnage. Quoique je m'en rends compte qu'il y a des dégâts, hein. Ça tue très vite, je trouve. La base crit chance, oui. Aïe. Puis ça meurt loin. Qui est pas pratique pour l'XP. On va pas se le cacher, ça c'est pas le meilleur truc. Il y a de l'XP partout. Plus de dommages sur les needles, oui. Faudrait que je parte à la chasse au tonneau. Chercher une main qui me regroupe tout l'XP là. Tellement rentable.
Un peu trop de slime vert, à mon goût. Ouais, plus d'attaque sur le golem. Ah, ça tue. Plus de crit chance. Bon, là, normalement, on est pas mal sur les coups critiques. La liche, bon. Un petit peu compliqué les choses. Aïe. Je voulais me faire un passage derrière, c'est le problème. Je vois rien. Et les petits tirs, très difficiles à esquiver. Je vais mourir. On va user notre résurrection ici et maintenant. La carotte nous sauvera. Il est où le boss? Il est là. Il y a une main derrière. Ah, je suis mort sur le coffre. Quel enfer. Ça on ne connaît pas. 1% d'attaque speed pour 5 secondes. Each kill ennemi. Jusqu'à 50%. Ouais. Il y a une main. Ce qui va nous mettre bien. On va se prendre un peu de vie. Hein. Faut pas déconner quand même. Faut que j'aille chercher la main. Elle est là-dedans. Allez, c'est le jackpot. Duration. Ah, niveau 60 et... Acquérir Channeling 5 en un seul run. Bon bah voilà. Phantom Needle 7. Base de vie, oui. Alors on remonte en vie. Ok, on est passé que 61, un peu déçu quand même. M'attendais à mieux. Enfin bon, on a fait le niveau 60, c'est déjà ça. On a fait plein de succès, ce qui veut dire plein d'argent qui nous attend en ville. Ou des nouveaux trucs à débloquer, bien sûr. Range, oui. Après, qu'est-ce que ça va donner le boss? Que le boss est très mono-cible. On l'a vu sur les boss, je galère un peu. Bonne capacité d'AOE et donc de packing, mais peu en mono-cible. Et le golem, je trouve, sert pas à grand-chose en mono-cible. On est quasiment aux 19 000 morts, il va rester un peu plus de 5 minutes. Est-ce que le 25 000 est tentable? Est-ce que le 25 000 est tentable? Moi je dis oui. Moi je dis que oui. Le 25 000 et demi est largement tentable. On va se reprendre de la vitalité. Voilà, on est quasiment remonté à 400 PV là en PV max. Déjà des 21 000 alors qu'on n'a pas atteint les 5 minutes. Oh, cette capacité de tuage, impressionnant. Ok, je ne dirai plus de mal de cette classe. Clairement, hein, là, y a une capacité de dégâts. C'est hallucinant. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts. Ouais, les tailles. Je suis pas sûr que les tailles. J'ai... Ce que je regardais, les petits bidules verts. Si, ils ont l'air d'être plus gros qu'au début. Tuer 25 000 ennemis en un seul run. Bah, c'est pas fait les 25 000 ennemis. Ah, peut-être que ce que tue mes invocations de l'anneau ne compte pas. Possible. De toute façon, ça sera largement fait. Regardez, on est déjà à 23 000, il reste encore 4 minutes 30. Ça sera largement fait les 25 000 de mon côté. Et eh ben c'est le perso avec qui on aura fait le plus de morts. Ce qui est impressionnant.
ou 7 XP encore. Roll duration, oui, on aime bien qu'il roule. Ça nous servira à rien sur le boss, mais on aime bien qu'il roule. Même les monstres mettent du temps maintenant à arriver. Hellhound en une seule exploration, ok, c'est fait. Je savais même pas qu'il y avait ce succès là. Pour aller chercher le 66 peut-être. Parfait, le 66, des dommages sur les needles. Voilà, on a passé les 25 000, j'avais même pas vu. Ah, c'est agréable. Normalement, à ce moment-là, on est en train de se faire dépasser, on court partout pour pas se faire toucher. Alors que là, j'essaie juste de ramasser l'XP. Mais curieux de savoir ce qui a fait le plus de dégâts. Je pense que les orbes seraient changeables. À mon avis, les orbes sont pas très intéressantes dans le build. Une main. Oui, une main. Les needles. À mon avis, les needles, je les ai très sous-estimés. Roll duration. Oh, allez, roll duration, on est plus après. Je pense que j'ai très sous-estimé les needles. La main est là. Allez, l'XP. Et on va se prendre des crit damage. Il n'y avait pas tant d'XP que ça. Enfin, c'est juste que maintenant ça devient très long de level up. Ne pas prendre de coups pendant 5 minutes. Ça m'étonne de ma part. Mais en même temps, il n'y a rien qui approche. Donc, forcément. Je pourrais rester statique, vous y croyez? Non, ça a pas l'air d'être la meilleure strat d'être statique. Et ben, est-ce qu'on se prendrait pas un peu de vie pour assurer le coup sur le boss? Est-ce qu'on peut aller au 70? C'est pas mal. Allez, objectif niveau 70 pour le boss. Ça se fait. 1,5 million avec les needles. Ok, ça c'est fait. C'est cool. C'est très cool. J'ai enfin réussi les needles. Donc on a notre réponse. Les needles nous ont fait 1,5 million de dégâts. Voilà, là ça commence à devenir compliqué. Quand même lui, il y a un moment où il se fait un petit peu dépasser. En fait, c'est aussi en partie à cause des slimes. Je peux pas aller où je veux. Allez, le niveau 70. Parfait. Et on va se prendre des crits. Prêt pour le boss. On va arriver aux 30 000 ennemis vaincus en un seul run. On peut le faire, le 30 000. Oh oui, c'est jouable. Non, pas maintenant. Non, on perd pas comme ça. Faut pas déconner. Voilà, le 30 000 ennemi en un seul run est passé. Ok, le boss. Alors techniquement là, il faudrait que je m'arrange pour que la roulette du machin tombe dessus, mais on va peut-être pas prendre trop de risques. Par contre voilà, c'est ça, en mono-cible, les dégâts ils sont pas là.
C'est bien ce que je pensais. J'ai des gros dégâts de zone, mais en mono-cible, eh ben c'est pas fou. Ouais, je vais y passer. J'y passais à cause des petites têtes violettes. Voilà. C'était une charge, pas les têtes. Bon, c'est pas grave. Le battre n'avait pas d'intérêt. Alors, 6,5 millions sur l'arme principale. Le golem n'a fait que 680 000. Ah ouais, j'étais persuadé que le golem avait vraiment été intéressant. Mais non, le golem n'a servi à rien. Les needles ont été plutôt rentables. Les orbes 300 000, pareil, pas très intéressant. Donc, la main waypoint et les needles, oui. Mais on peut changer le golem et les orbes. Donc là, les 2 millions en un seul run avec les invocations. Oui, de l'or. Oui, de l'or, de l'or, de l'or. Ah, nouvelle blazing duration. Ah bah oui, bien évidemment. Item invocation signette. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Haunted Cavern, Starting Ability, il faudra qu'on voit ce que c'est, Beastmaster 1000 balles, Shadow Cloak, et upgrade du coup des Phantom Needle, Phantom Split. On sort avec un peu d'argent. Je vais aller prendre hop, les gains d'or. Voilà, comme ça on n'en parle plus. J'ai les plus gros gains d'or. On a remonté, il fallait que j'achète le Ring of Fire. Oui, je suis en train de me préparer un petit build de feu, mais premium plus plus, on va bien se marrer. Il manque encore les Firewalkers là. Vous allez voir, on va se faire un build là. Nickel. Bon, ça dit quoi au niveau des succès? C'était beau là. Alors, chapitre 1. Il nous reste toujours la foudre. Et la foudre, bien sûr. Ah, les orbes. 1,5 million aux orbes. J'ai pas l'impression que les orbes soient si fous. Arcane Splitter, oui. Et du coup, les Phantom Needle, le 3 millions. Oui, il y a des nouveaux traits à débloquer. Upgrade, Inner Orbit, ok. Donc là, oui, les deuxièmes. Et ça, peu importe où on le fait. Là, là, il y a Foudre, 3 millions, et là, il y a Orb Mastery, 3 millions. Donc ça, peu importe où on le fait, on n'a plus spécialement à faire la première carte en thème de succès. La deuxième carte, on a toujours les Imps à tuer, 15 000 ennemis, et le Lord of Regrets, bien sûr. La troisième, on n'a pas du tout commencé. Là, l'épéiste, oui, il faut que je fasse 3 millions avec la Main Weapon, 3 millions avec les Ring Blade. Oui, le temps de fils, faudrait que je me fasse un petit run avec. Et le niveau 100, oui. L'archer, le niveau 100, bien sûr. Il faut que je marche 100 000 mètres, c'est en cours. Et que je fasse 50 000 critiques en un seul run. C'est en cours. L'exterminateur, il y a le niveau 100, on est d'accord. Appliquer brûlure 200 000 fois en un seul run, donc ça faudra juste le rejouer. Et tuer 50 ennemis avec l'exterminateur, ça se fera aussi. Le clair, le niveau 100. Appliquer 10 stacks de fragile en un seul ennemi. Oui, il faudra que j'essaye. Et l'aura. L'aura à faire avec n'importe quel perso. Et donc là, ce nouveau perso, on en était où? Alors, prendre un total de 15 000 de dégâts sur tous les runs. Ok. Survivre 28 minutes sans utiliser votre main weapon. Ouf. Ouf. Sachant que c'est ce qui nous a fait quasi tout notre DPS là. Ouf. Faire 750 000 de dommages avec le golem. Ouais, on n'a pas réussi. Faire 3 millions avec le golem. Survivre 5 minutes avec un maximum de 252 vies ou moins. Ah zut, faudra que je recommence. Faire 1,5 million avec le golem. Oui d'accord, tout le golem. Et atteindre le niveau 100. Ah, et là les milestones. Entrer dans le hall des tourments 20 fois. Ah bah, il nous en manque un. Collecter 200 000 gold, on est en cours. Acheter 40 items. Ouais, il y a tant que ça. Tuer 400 000 ennemis au total. Appliquer 500 000 debuffs. Tuer 100 boss. Critique, level up. Tuer 10 lords. Ah si, il faut quand même les tuer du coup, les lords. Tuer 150 ennemis d'élite. Ouais, ok.
Et on est revenu au Haunted Cavern. Écoutez, on a déjà fait 107 sur 201. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62. On n'a que 62 succès pas faits dans ce que j'ai. Donc il manque soit un niveau, soit une classe. A voir. À voir, à voir. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.